ونقولكم رمضان. Bonsoir à tous et bienvenue dans la semaine éco. Ce soir, on vous parle d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires pour les jeunes. Mais attention, pas n'importe quel jeune. Ce soir, on s'intéresse aux jeunes binationaux, à ces Algériens qui sont nés en France et qui souhaitent faire des affaires, monter des projets en Algérie. Alors, les données ne sont pas totalement communiquées. On ne sait pas le nombre exact, mais on sait déjà que depuis quelques années, ils sont de plus en plus nombreux, ces franco-algériens, à vouloir faire des affaires, à vouloir monter un projet en Algérie. Alors ce n'est pas une mince affaire car le climat d'affaires est très différent entre les normes qui sont pratiquées en Algérie, entre les réglementations qu'il y a en Algérie et ce qui se trouve en Europe et en France notamment. C'est pour cette raison que des collectifs, des organisations et des associations aussi bénévoles sont créées pour accompagner ces jeunes, les guider et leur permettre d'avoir un réseau car c'est important et créer donc leur projet ici en Algérie. Alors pour vous en parler plus en détail, nous avons un échange ce soir parmi nous de porteurs de projets et de mouvements associatifs. Narima Iratni, bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes la présidente de Maison d'Algérie, qui est une association qui fait beaucoup de choses, mais on va dire notamment vise à encourager la création de projets économiques entre l'Algérie et la France. À vos côtés, Islam Shahban Riyad, vous êtes porteur de projets. Vous êtes là dans le cadre de l'action de cette association Maison de l'Algérie. Et vous êtes là, vous nous en parlerez tout à l'heure, dans le cadre, bien de, dans la perspective de créer un projet de création, de fabrication et de conception localement en Algérie de produits qui visent à la consommation de gaz naturel. De gaz naturel, voilà. Que ce soit pour le réseau national, aussi bien pour les industriels. D'accord, et on va en parler plus en détail tout à l'heure. Monsieur Aziz Nafar, bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas porteur de projet, vous êtes chercheur au CREAD. Vous êtes chercheur permanent au CREAD, qui est le Centre de Recherche en Économie Appliquée pour le Développement. Vous êtes là car vous avez énormément d'informations à donner. L'un de vos, des axes de votre recherche porte justement sur la diaspora d'affaires. Vous avez fait des études comparatives et vous nous donnerez les détails. Et à vos côtés, monsieur Ismaël Chaoua, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes également porteur de projet, mais vous êtes aussi le gérant de la société Inet Narbonne. Vous êtes PDG aussi de la société Narbonne Maintenance et vous êtes là dans la perspective de créer une entreprise et un centre de formation. Merci à vous tous d'être avec nous. Avant de commencer le débat, je vous propose de suivre un reportage de Badéa Amarni qui justement est allé à la rencontre de l'association qui a été en Algérie, enfin qui était à Alger depuis quelques jours, d'abord à Boumerdès et ensuite à Alger, rencontrer des jeunes porteurs de projets algérien, son reportage et on revient tout de suite après. Ils sont jeunes, dynamiques et ambitieux. Eux, ce sont des Algériens nés et résidents en France qui comptent investir dans leur pays d'origine. Donc la Maison de l'Algérie est une association de loi 1901 présente en France qui a vocation à s'adresser à la diaspora algérienne installée en France et à aussi à promouvoir la culture, le tourisme et l'économie au sein de son association. Donc actuellement, on a mis en place un programme d'échange entre la jeunesse des deux rives, donc la jeunesse entrepreneuriale. Donc là, nous organisons le premier week-end Génération Entrepreneur et nous amenons en Algérie nos binationaux pour s'implanter et s'installer en Algérie et bien sûr bénéficier des différents dispositifs car ils sont algériens avant tout. Les échanges entre les jeunes entrepreneurs et chefs d'entreprise ont permis de nouer des contacts qui leur permettront de rendre leur ambition une réalité, grâce notamment au dispositif ANSEJ. On travaille déjà avec l'Algérie, on fournit des partenaires en Algérie avec notre propre gamme de produits professionnels. Et nous, notre but aujourd'hui, c'est de ramener notre savoir-faire en Algérie et avec des partenaires algériens et fabriquer notre propre gamme en Algérie. Les avantages que apporte l'Algérie, je pense que ça vaut vraiment le coup qu'on s'investisse. On a deux identités entre la France et l'Algérie. Il y a deux savoir-faire.
La France sait faire des choses, l'Algérie sait en faire aussi. Si on fait un partenariat vraiment ensemble entre les entreprises algériennes et les entreprises françaises, ça ne peut que réussir. Notre but aussi, c'est de venir s'installer ici en Algérie et d'apporter donc nos connaissances et notre savoir-faire au service des entreprises algériennes et pourquoi pas françaises, celles qui sont installées actuellement donc en Algérie et pouvoir tout simplement nous garantir une place ici. Donc on attend beaucoup de ce week-end, on attend aussi un soutien des autorités locales et on remercie aussi notre président de la République qui nous a permis aussi d'ouvrir les dispositifs d'aide à l'installation aujourd'hui donc pour nous jeunes binationaux. Aujourd'hui on est là avec Maison de l'Algérie pour justement aider ces jeunes entrepreneurs binationaux. On va les aider tout d'abord à faire mûrir leur projet, à essayer de s'installer en Algérie, développer le marché algérien. L'idée globale et la finalité de ce projet, c'est que ces porteurs d'idées, ces porteurs d'affaires puissent apporter leur expérience, leur expertise et faire développer le marché algérien. Mon but est de venir m'installer en septembre en Algérie pour créer la société SAF, donc ce serait la société algérienne de fabrication d'éclairage, spécialisée dans la LED. Donc on va venir avec mon associé, venir démarcher ici nos futurs clients potentiels qui sont les wilayas, les collectivités territoriales, pour être spécialisés dans l'éclairage public et industriel. Mon projet, moi, consiste au tourisme, donc à la création de camping du côté de Bjaïa, Tichy. C'est un littoral vraiment énorme, il y a tout à prendre, quoi, je veux dire, de ce côté-là sur le camping. On peut faire des activités aquatiques, activités nautiques, vraiment tout développer. Et Inch'Allah, pourquoi pas étendre ça dans toute l'Algérie, faire des campings. Et... Le premier club Génération Entrepreneur en Algérie, lancé aujourd'hui par la Maison de l'Algérie, et compte booster l'esprit entrepreneurial des jeunes. Pour une première initiative, le résultat est plutôt positif selon les organisateurs. Très satisfait de ce week-end de Génération Entrepreneur à Boumerdès et à Alger. Donc ça a été très, très fluctuant. Donc là actuellement nous sommes plus de 40 à prendre le départ pour Paris. Nous allons revenir avec 40 autres entrepreneurs et créateurs d'entreprises, donc plus de 750 dossiers en attente, et nous espérons l'ouverture prochaine de notre premier incubateur d'entreprises destiné aux binationaux et ouvert bien sûr aux nationaux. Une initiative louable à encourager pour la jeunesse algérienne des deux rives. Alors, on l'a vu dans ce reportage, une quarantaine de porteurs de projets étaient à Alger, ce que vous appelez un week-end, hein, et c'est une initiative inédite. C'est la première du genre, initiée par l'association Maison de l'Algérie, mais cette association existe depuis un certain moment, et vous avez fait du chemin. Alors, une idée sur le démarrage et les acquis depuis, Naïma Iratni. Maison de l'Algérie s'est créée en octobre 2010. Donc l'objectif principal au début de cette création, c'était impulser une dynamique à la construction de la Maison de l'Algérie à la Cité universitaire internationale. Donc la Cité universitaire internationale à Paris, on a toutes les maisons sauf la Maison de l'Algérie. Donc on a commencé à travailler sur ce projet, donc on a interpellé les deux côtés, et on a eu aussi du côté français, François Hollande, quand il est venu en 2012 en visite, il a parlé de cette Maison de l'Algérie qu'il faut quand même commencer à réfléchir pour la mettre en place. Donc entre-temps que les choses se mettent en place, donc ça va prendre du temps, et surtout un petit peu au niveau de ce montage, qui est assez compliqué, donc on a laissé faire, mais entre-temps, on s'est dit, on ne va pas rester attendre la construction sans avoir cette vision future de cette maison. Mm-hmm. Et c'est donc là... Donc vous avez commencé à activer au niveau de l'Algérie. Voilà, d'autant plus que la vision future interne de cette maison qui va porter le pôle économique, mm-hmm. le pôle touristique, culture et héritage, et le pôle jeunesse. On ne va pas arriver à une maison où il y a des dortoirs, un peu de culture. C'est la Cité universitaire internationale, vous avez la Fondation des États-Unis, vous avez du lourd. Hein. Vous n'avez pas quelque chose. Donc il faut apporter ce que l'Algérie, le potentiel algérien. Mmh. Et aussi que ça soit cette maison un tremplin pour l'Algérie.
C'est qu'on passe par cette maison pour découvrir les opportunités en Algérie économiques, touristiques. Que ce soit le reflet de voilà. du potentiel économique algérien. Non seulement touristique, la culture aussi. Oui, et pas que l'économie. Voilà, exactement. Et là, on a commencé à travailler un petit peu, de se dire, donc, la Maison de l'Algérie, elle est dédiée à la jeunesse des deux rives. On a commencé à travailler sur quel programme on peut proposer. Donc, comme le pôle jeunesse touche le pôle économique, le pôle touristique et le pôle culture et héritage, on a créé le pont d'intelligence qui vise trois actions de développement. Le tourisme, la culture et l'économie. Le tourisme, connaître le week-end à Alger, c'est quoi? Est-ce que ces jeunes, ils partent facilement en Espagne, au Maroc, etc. Mais ils n'ont pas cette idée de prendre le sac à dos et de se dire, tiens, je pars en week-end en Algérie. Donc aujourd'hui, on est parti à Boumerdès, on a fait Alger. Donc ensuite, cette culture, sachant que ces jeunes, ils sont d'origine de... d'origine, ils sont déjà, ils sont partis de toutes les régions françaises et d'origine de wilaya, c'est-à-dire il y a eu des différentes wilayas d'Algérie qui connaissent pas Alger. Et cela, c'est la culture algéroise, par exemple. Ils ont découvert la culture. Donc c'est pour ouvrir déjà entre nous algériens, de se dire voilà notre culture. Et sachant qu'on a eu quand même dans le groupe des Français, donc qui ont découvert aussi avec nous, puisque le dernier passage, on était à la chambre de l'artisanat à Climat France, enfin je dis. Alors mais au-delà de la découverte qui est liée donc aux aspects touristiques, patrimoine, etc. Il y a un mélange. Les porteurs de projets viennent de différentes wilayas, mais ce sont tous des jeunes. C'est la caractéristique. Et justement, le troisième axe, c'est l'économie. Et l'économie, on est parti sur ce dispositif en Sèche. On l'a lancé en 2011. On était partant sur Tipaza. On a fait une étude de marché. Mais le problème s'est posé, c'est le dispositif. Il faut avoir l'obligation de résidence. Il était impossible pour ces jeunes de venir s'installer, d'avoir une résidence, déposer un dossier pour qu'après on lui dise non, le projet il ne passe pas. Donc on est revenu. Ça c'était avant 2011. C'était en 2011 quand le projet il s'est lancé. Donc on est revenu avec, c'est-à-dire à changer ce dispositif, c'est-à-dire à se dire que ce dispositif il faut qu'il soit ouvert à la diaspora, à ces jeunes binationaux. Et donc, on a interpellé les hautes autorités de l'État et on a eu gain de cause à partir de janvier 2015. Les binationaux, ils sont désormais éligibles au projet en Sège. Sans obligation de résultat. Alors, sans obligation de résidence. Le résultat, on l'espère pour vous. Alors, justement, on va écouter les porteurs de projet. On voyait dans le reportage que donc, vous avez eu à rencontrer des jeunes Algériens qui, eux aussi, sont déjà en projet ou ambitionnent de faire des activités entrepreneuriales. Effectivement, donc on rencontre ce deux types de jeunes, donc ceux qui sont vraiment à un état avancé. Donc c'est vraiment, ils sont motivés pour s'installer en Algérie, de créer leur société, ramener leur savoir-faire, et puis il y a d'autres jeunes que eux, ben effectivement, qui sont intéressés, qui veulent voir comment. Donc voilà, donc il y a les deux types de fibres et c'est voilà. Pour moi, c'est très intéressant. Moi, je pense aujourd'hui, je suis sur un état de projet très avancé. Et effectivement. Votre projet donc, qui est de créer une entreprise ici en Algérie, c'est bien ça. Ici en Algérie, effectivement, donc sur tout ce qui concerne. La conception, la réalisation de postes détente et comptage liés au gaz, qu'ils soient pour le réseau ou l'industriel. Et pour moi, c'est un projet qui est très ambitieux en Algérie. Étant donné que les produits que vous proposez de fabriquer en Algérie sont actuellement importés, ce sont des... Pas mal, il y a une très grosse importation. Une très grande quantité. Et ce qui est dommage, c'est que aujourd'hui, il manque ce Made in Algeria sur ce type de matériel.
Et donc c'est une niche dans laquelle vous avez décidé de vous greffer. Voilà, me greffer. Les rencontres la rencontre que Maison d'Algérie vous a permis de faire ici en Algérie, vous qui êtes porteur de projet, ça vous a permis quoi en fait? Écoutez, tout simplement, je les remercie, la Maison de l'Algérie, parce que moi je ne vous cache pas, j'ai la double nationalité aussi, j'ai toutes mes affaires qui sont en France, tout mon parcours je l'ai fait en France aussi, mais je suis très amoureux de l'Algérie parce que avant tout c'est mon pays aussi. Je suis venu en 2012-2013 avec mon associé, tout seul, tous les deux, parce qu'on voulait faire le même projet, venir en Algérie, il fallait être résident en Algérie. Bon. Alors vous avez toujours l'intention de créer une entreprise de fabrication de produits d'entretien. D'accord. Voilà, produits d'entretien, Alcala, désigné pour tout ce qui est professionnel et industriel. Pourquoi ça? Parce qu'on travaille déjà avec l'Algérie, avec le Maghreb, et on a dit, ça serait bien de venir et s'installer ici et fabriquer en Algérie. Pourquoi? Parce qu'on a un savoir-faire. On a notre propre gamme de produits et on a dit ça serait bien de le partager avec des entrepreneurs algériens. Ça ne sert à rien de venir seul et faire fabriquer seul et tout ça. Dans ces cas-là, on reste en France, ça revient au même. Mm-hmm. Ça serait bien de partager tout ça avec les Algériens ici parce que ceux qui demandent, ils ont soif d'apprendre. Et nous, on a notre savoir-faire. Et faire ce partenariat-là ensemble, on peut y arriver et peut-être se développer. Et ça sera l'Algérie de vendre. Ou je veux dire, d'emporter son produit, d'exporter à d'autres pays, oui, l'Afrique, le Maghreb et tout ça. Et même en France, on peut même vendre en France. Il n'y a pas que la France, pas que de France. On peut leur vendre aussi notre propre produit. Dès lors que l'activité est élargie. Tout à fait. Nous, on est venus en 2013. Honnêtement, je suis résident aussi algérien. C'est parce qu'il fallait être résident algérien. Et on a tout trouvé qui était un peu fermé. Les portes étaient un peu pour nous localement fermées. Du coup, on s'est adressé à la Maison d'Algérie. Et en fait, comme dit l'autre, c'est l'union fait la force. Et en fait, on est tous unis. La Maison d'Algérie, elle a bien travaillé sur ça. Et elle est arrivée à des résultats pour le gouvernement, accepte tout ça. Et nous, on est là pour aider aussi, je veux dire, tout ce qui est algérien aussi ici, qui veulent apprendre, qui faire des partenariats aussi. Il faut que les Algériens aussi s'ouvrent à ce dispositif. Et nous, on est assez ouverts parce que, bon, on travaille quand même avec d'autres pays, tout ça. En France, ça se fait pas mal, je pense, d'autres pays aussi. Il faut que l'Algérien, parce que l'Algérien, il a appris de travailler qu'entre eux. Alors, il faut que l'Algérien aussi apprend de dire, maintenant, il faut qu'on fasse des partenariats aussi avec des Européens, que ce soit des Français ou des Italiens et tout ça, parce que l'Algérien, il est partout. On n'est pas que né en France, il y en a qui sont nés en Italie, en Allemagne et tout ça. Mais il faut qu'on fasse ce partenariat ensemble. Faire un travail aussi sur le mental. Aziz Nafa, est-ce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs ou les gens qui souhaiteraient faire des projets, en parlant des Algériens qui sont nés ici, qui ont toujours évolué en Algérie, ne sont pas propices à l'idée de partager? Alors, tout d'abord, je voulais féliciter les initiatives, notamment celle de la Maison d'Algérie, qui est une très très bonne initiative, d'autant plus que plus que jamais l'Algérie a besoin d'entrepreneurs, de développer son entrepreneuriat pour effectivement ralentir cette dépendance aux hydrocarbures. Alors pour ce qui est effectivement, on est face à deux contextes complètement différents. Celui de l'Algérie qui a ses spécificités, comme partout dans le monde, chaque pays a ses particularités. On est aussi face à des jeunes qui viennent de pays occidentaux, notamment la plupart viennent de France, qui sont aussi différents de par leur parcours, de par aussi l'environnement dans lequel, la formation, l'environnement dans lequel ils ont évolué. Ce qui serait intéressant, effectivement, c'est de créer des liens, des rapprochements, pour faciliter ce contact, puisque ces différences ne facilitent pas toujours cette rencontre. Et l'initiative telle que celle de la Maison d'Algérie, qui par des premiers contacts réunissant justement ces deux populations, permettent de faciliter et d'entrevoir des possibilités de rencontres productives qui faciliteraient effectivement ce rapprochement et de développer les projets de part
et d'autres. Et aussi, à mon avis, vous avez parlé, chacun des intervenants a parlé de l'État, de l'importance des pouvoirs publics. Je pense que c'est un élément important et indispensable pour que cet entrepreneuriat puisse se faire d'une manière fluide et facile. Et ça se fait partout aussi dans le monde. Les pays les plus représentatifs dans le cadre d'un développement de la diaspora dans le pays. Nous avons l'Inde qui a créé tout un pôle technologique de plus de 10 000. Grâce auquel elle a réussi à devenir un pays émergent, notamment. Effectivement, et d'autres pays. L'État, effectivement, ou les pouvoirs publics ont facilité ces initiatives de la diaspora, de leur diaspora, en mettant en place des dispositifs d'accompagnement, de facilitation, pour que celles-ci puissent effectivement évoluer dans un environnement serein. Qui n'est pas tout à fait ou de même que l'environnement dans lequel ils ont évolué, mais il faut prendre aussi en considération la spécificité du pays, c'est essayer d'accompagner ces entrepreneurs en leur facilitant ce transfert de savoir-faire, ce transfert de compétences et surtout permettre de développer l'entrepreneuriat en associant l'entrepreneur algérien à ce développement. Oui, mais il n'y a pas que la réglementation, on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure, mais il y a aussi les individus. Est-ce qu'au niveau local, on sait que vous avez été dans deux villes différentes, Alger et Boumerdès, est-ce qu'au niveau local, les jeunes y croient? Est-ce qu'ils ont confiance lorsqu'il s'agit de faire des projets de partenariat, lorsqu'il s'agit de se lier avec des partenaires qui ne sont pas toujours là et qui peut-être aussi viennent d'ailleurs et donc ramènent une compétence qui est différente de ce qui est connu en Algérie? Oui, enfin, pour dire le local, c'est le pro. Enfin, ce qu'on a constaté maintenant, c'est un week-end initiateur. J'attire votre attention qu'on est une association loi 1901, une association française. Une association française ne peut pas venir en Algérie pour faire présenter un événement. Donc, elle est obligée de travailler avec un partenaire local. D'accord? Le partenaire local, on a eu un projet à présenter. Qui est la neige, en qui est la neige. La neige qui est l'association L'association nationale d'échange entre les jeunes. La jeunesse. Entre la jeunesse. Donc la neige qui était, on y partit avec eux, pourquoi? Parce qu'il y avait ce programme de Bebel Amen. Bebel Amen qui travaillait dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la préparation des jeunes. Mais ce qu'on a constaté, le terrain, il n'était pas préparé. C'est-à-dire notre démarche, nous sommes partis d'abord avec la neige pour... C'est-à-dire c'est la neige qui va préparer les jeunes, c'est-à-dire de son côté, de ramener les jeunes. Qui sont en Algérie, donc Absolument. Parce que nous... On avait des jeunes algériens, puisque l'appel à la jeunesse des deux rives, il y avait des jeunes algériens qui ont proposé aussi des projets via notre site, via notre appel, comme M. Chaban et M. Chawa, qui se sont... Mais on ne les a pas pris, on a interpellé la neige. Mais de l'autre côté, la neige n'a pas joué son jeu, c'est-à-dire de se dire, on va travailler. Il y a une culture d'entreprise, c'est-à-dire il y a un travail qu'il faut mettre en place au point de vue local. Et c'est pour ça que nous, on ne peut pas, on est venu pour une obligation de résultat local, valoriser l'activité économique locale. Donc il fallait mettre en place ce travail de partenariat entre les deux jeunes entrepreneurs, accompagnés par l'expérience des entreprises. Monsieur Chawa, il est chef d'entreprise. Son partenaire, il est chef d'entreprise. Il y en a d'autres qui étaient aussi chefs d'entreprise. C'est-à-dire favoriser l'interaction entre le chef d'entreprise et l'entrepreneur, et aussi travailler avec, c'est-à-dire le chef de la collectivité locale, le Wali.
Le Wali n'a pas été au courant de notre programme. Et c'était un petit peu le but recherché, j'imagine. Exactement. De votre déplacement, étant donné voilà, que, exactement. S'il est question d'investir dans une wilaya, ben c'est toujours bon d'avoir, enfin, de tisser des liens avec les autorités locales. Voilà. Il y a eu un travail de préparation. On a eu quand même les dispositifs qui étaient là. Mm-hmm. Mais c'était vraiment quelque chose d'un apport très important. Mais celui qui travaille l'aménagement du territoire, le besoin, parce qu'il ne suffit pas de ramener les... Bon, on a ramené les jeunes, les porteurs de projets, par rapport à notre étude personnelle mm-hmm. sur la wilaya de Boulmadès. Quel potentiel. Mais maintenant, c'est le Wali qui peut nous dire « j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci ». Et de l'autre côté, mm-hmm. c'est la neige Boulmadès qui nous présentera des jeunes qui seront en partenariat. C'était le principe de ces rencontres, justement. Voilà. Ça pose le problème du développement au niveau local en Algérie. Mmh. Les autorités locales ne font souvent pas leur rôle en tant que moteur économique, alors que d'un point de vue réglementaire, elles sont responsables. Je parle des niveaux localité, des différentes wilayas du pays, à 19A. Oui. En fait, effectivement... Est-ce que c'est un problème de volonté ou de fainéantise, finalement? En fait, c'est un problème de communication. Moi, je dirais, il y a un travail... il faut faire un travail de communication, celui de... Ça veut dire de déterminer un peu l'ensemble des tissus économiques de la région. L'objectif, justement... pour que les autorités locales puissent s'orienter vers un développement sectoriel dans tel secteur, il faudrait au préalable qu'ils disposent suffisamment d'informations au sujet du tissu économique local. Mm-hmm. À mon avis, ce n'est pas une question de fainéantise, puisqu'ils ont des directives, ils ont un plan de charge à respecter. Mm-hmm. Je pense qu'il y a un manque d'informations au niveau des différents acteurs locaux. Mm-hmm. Et ce manque d'informations, effectivement, impacte considérablement les actions économiques à mener au niveau local. Effectivement, il y a des ambitions, notamment ces dernières années, d'aller vers un développement local, celui effectivement de favoriser ou de mettre en avant les spécificités locales en termes de savoir-faire. Mm-hmm. Prenons le cas des régions des Sud, ce sont des régions telles que l'Oued ou Biskra qui n'étaient pas connues aujourd'hui, qui sont des régions assez importantes à caractère agricole, mm-hmm. en premier lieu aussi touristique, oui. telles que Biskra, mm-hmm. et d'autres régions spécialisées dans l'artisanat, par exemple. Là, il y a énormément de choses à faire. Et je pense, nous l'avons écouté tout à l'heure dans le reportage, il y a un jeune qui a des projets, un projet dans le tourisme, et la ligne directrice 2014-2019, ouais. c'est aussi de développer le tourisme comme secteur, comme un axe stratégique. Comme un axe stratégique. Mm-hmm. Alors justement, pour les porteurs de projets, vous qui êtes en France, vous êtes installé en France, comment est-ce que vous faites pour avoir une visibilité sur ce qui se fait, sur les opportunités, là où il faut aller, là où il faut mettre son argent, les régions à choisir, comment est-ce que vous faites pour vous lancer? On sait que vous êtes dans le cadre d'une association Maison de l'Algérie, mais j'imagine que vous avez aussi une action personnelle à engager, l'un ou l'autre? Effectivement, parce que par rapport à l'Algérie, si on parle par rapport à l'Algérie, moi j'ai fait tout l'Est algérien mm-hmm. pour installer... Vous avez fait, c'est-à-dire vous avez C'est-à-dire, fait moi, j'ai avez... été dans pas mal de wilaya, pour ne pas les citer, mm-hmm. Annaba, Tarf, tout ça, pour proposer mon projet, tout ça et tout, est-ce que je peux m'implanter là? Vous êtes présenté à quel niveau? Au niveau des dispositifs, Andy, en siège. Mm-hmm. Alors, c'est une masse de papier énorme. Nous, on vient de France, moi, je ne sais pas à qui m'adresser, J'ai trouvé ça un peu difficile parce que je disais s'il y avait un seul guichet unique pour ça, et après, eux, l'administratif, entre eux, peuvent travailler ensemble. Mm-hmm. Vous voulez dire pour réduire le nombre de pièces, oui, parce que, nous, des dossiers? Nous, dans notre projet, c'est une construction d'une usine. Je ramène de la richesse à 7 wilayas.
C'est-à-dire, je vais employer des jeunes. Je vais donner un savoir-faire. Mmh. Et en plus, un savoir-faire qualifiant. C'est-à-dire, la personne, il va être qualifiée. Et après, on peut développer tout doucement sur d'autres wilayas. Parce qu'on va faire la richesse ici. Et après, la personne qui va être là, ça va donner du travail direct et indirect. Parce qu'il y aura des sous-traitants, il y aura de la matière première, il y aura l'emballage, il y aura ci. Tout ça, ça rentre dans le cadre. Et en fait, le projet leur plaît, oui, il n'y a pas de souci. Mais après, il faut faire tout le tour. Mais à chaque fois, ce que moi j'ai trouvé, on peut le dire, c'est le relationnel. Il faut avoir beaucoup de relationnel. Et à un moment donné, moi, que je viens de France, je n'ai pas ce relationnel-là. Mmh. Moi, j'ai un savoir-faire. Je ramène un travail et tout. Et après, le relationnel pour faire quoi, en fait? Le relationnel, pour le terrain, par exemple, il faut un relationnel. Voilà. Pour le foncier, oui. Pour le foncier, il faut un relationnel. Pour même sortir le moindre papier, il faut un relationnel. Déjà, ça démotive. Sachant que vous avez une activité à mener en France, c'est-à-dire que si vous pouvez être là, vous êtes là pendant une certaine période et ensuite devoir repartir. Exactement, parce que moi mes rendez-vous je les prends par téléphone ou tout ça, et quand je viens ici, il n'y a rien, il y a toujours un décalage, et si ça du coup on n'avance pas et on est toujours retardé. Et après l'autre il va dire, allez-y dans l'autre wilaya, le wali il est bien. Et pourquoi le wali de cette wilaya il est bien et l'autre il n'est pas bien? Voilà, c'est ça que moi je ne comprends pas. On est tous pareils, je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des wilayas où ça se passe mieux ou plus facilement que d'autres? Tout à fait. Et du coup, moi quand j'entends le président parler, il dit, et le premier ministre, il dit qu'il faut faire Made in Algeria. On est prêt pour le faire, le Made in Algeria. Mais il faut que quand même cette ouverture-là, il faut faciliter un peu toutes ces démarches-là. Et je peux promettre qu'on peut le faire, le Made in Algeria, facilement. Parce que moi, je ne suis pas économiste, mais je regarde la presse comme tout le monde. Je lis un peu sur l'Algérie, sur la France. Quand on regarde les taux de PIB français et algérien, on dit la France, ils n'ont pas l'hydrocarbure. Mais quand même, c'est les PME, les PMI qui aident beaucoup la France. Ce n'est pas les grosses industries, parce qu'ils n'ont pas leur siège ailleurs. Et eux, c'est pas ça qui va nous aider. Ce n'est pas les grosses... Que les petits entrepreneurs, essentiellement, composés de petites PME. Voilà, c'est les PME, les PMI qui va aider le pays. C'est le même scénario, c'est les mêmes rencontres et réponses que vous avez eu à avoir, Islam Chaban. Oui, alors, moi, me concernant effectivement, donc... L'industrie productrice, c'est un petit peu différent, puisqu'en général, on va cibler un point de production qui va dispatcher dans tout le pays. Oui. Voilà. Donc après, le but stratégique, c'est aussi de se rapprocher du client qui achète le produit. D'être dans une espèce de spot point, un endroit qui soit vraiment bien placé, comme vous l'avez dit. Par contre, moi, je dirais plus dans mon domaine, puisque... Je vais surtout aussi travailler avec des entreprises d'État. Le souci que je rencontre, c'est qu'ils n'adhèrent pas à certaines normes. Mm-hmm. C'est-à-dire que... On rappelle que votre projet consiste à produire... Voilà, à concevoir et installer des appareillages liés au gaz. D'accord. Voilà. Autrement dit, pour que tout le monde puisse comprendre, des compteurs. Donc des compteurs, de la régulation, voire même de la métrologie légale. Mm-hmm. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a un grand manque en Algérie sur tout ce qui est légal. Mm-hmm. Et donc vous avez rencontré des difficultés, des inadéquations par rapport aux normes, vous disiez. Aux normes, oui. Donc aujourd'hui, il faut savoir que dans ce domaine-là, il y a des normes internationales. Et puis vous apprenez que l'Algérie ne fait pas partie. Mm-hmm. Donc on est un petit peu coincé, on se demande si c'est pas pour favoriser une autre personne donc, qui détient le produit, le monopole. Voilà, ils veulent pas le céder. Mmh. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un grand travail à faire là-dessus. Mmh. Aujourd'hui, vous voulez dire que les appareils de métrologie légale, de comptage, etc., ne correspondent pas à une norme ISO? Non. En fait, aujourd'hui, on appelle ça, chez nous en France, la procédure MID. Mmh. Donc la procédure MID qui est issue du système métrique international. Oui. Donc où tous les pays ont fédéré. Mmh. Et donc on s'aperçoit que l'Algérie ne fédère pas. Donc qu'est-ce qui fait que vous avez un appareil qui va être homologué dans 98% des pays, mais pas en Algérie. Mmh. On ne sait pas pourquoi, voilà. Et on a l'impression que c'est plus un monopole qui a été donné via des lobbies, qui fait que... C'est un élément de blocage pour votre projet actuellement ? Sur tout ce qui va concerner le légal, oui. Voilà, c'est-à-dire que j'ai un produit qui existe,
on s'aperçoit que... Mais qui risquent de ne pas être validés dans les cahiers des charges, dans le cahier notamment des charges algériens. Entreprises exactement. D'État, ouais. Notamment ouais. Les entreprises publiques, étant donné qu'ils ont des cahiers des charges qui sont rigides. Voilà. Et c'est là qu'on ne comprend pas pourquoi il n'y a qu'en Algérie que ce matériel ne peut pas rentrer. Alors, c'est intéressant et dommage pour vous, mais pour vous, économistes, Aïzafa, est-ce que le souci pour Ismaël Chaban, c'est de ne pas avoir su que l'Algérie n'était pas aux normes et que peut-être qu'il n'aurait pas dû, dès le départ, s'orienter. Ou bien, est-ce qu'il y a une possibilité pour lui de trouver une solution à ce problème? Où se situe le problème exactement? Alors, moi, je suis sincèrement étonné parce que moi-même, j'ai assisté à une rencontre il y a 2 ans sur la métrologie légale. Et c'est une vraie problématique pour l'État, sachant que tous les vendeurs à la sauvette, ils vendent avec des appareils de pesage, mais qui sont pas aux normes. Oui. Donc c'est un vrai souci. Il y a une vraie volonté, du moins lorsque j'ai assisté, il y a énormément de personnes qui font partie des structures publiques qui étaient là. Et, qui sont censées d'ailleurs contrôler. Qui sont censées contrôler aussi l'utilisation des bons appareils. Voilà. Maintenant, je pense... qu'il serait effectivement intéressant pour l'Algérie d'adhérer à ce type d'organisation, l'organisation internationale, l'AMID, puisque effectivement, cette organisation permet de mettre à niveau l'ensemble des appareillages, puisque on n'est pas uniquement ces appareils consistent se trouvent. Que ce soit dans la consommation d'énergie, que ce soit dans la consommation d'eau, que ce soit dans le commerce ou dans l'industrie, ce sont des appareils, effectivement, qui, en les mettant à niveau, permettraient aux entreprises et à l'État de gagner énormément d'argent. Mais parlons sur le plan global. Là, on est face à un projet qui vient de la France, d'un Algérien, donc d'un Français d'origine algérienne, qui souhaiterait investir ici, mais c'est une donnée qu'il ignorait, justement. Est-ce que... comment se fait-il que justement vous n'ayez pas pu en tout cas vous savoir à temps en tout cas qu'il y avait un frein tel que celui-là? Il y a plusieurs freins. La donnée était difficile, difficile à avoir. Non, c'est difficile. De votre côté en tout cas, vous qui êtes en France. C'est pour ça que tout à l'heure vous avez un petit peu présenté comment on sait, comment les potentiels. J'attire votre attention que... On a travaillé sur la communication, c'est-à-dire on fait une revue de presse Maison de l'Algérie quotidienne sur l'Algérie. Donc nous avons, nos adhérents et les personnes, nos contacts qui nous suivent. C'est-à-dire aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est par les journaux, par le suivi de ce qui se passe qu'on peut savoir ce qui se passe. Mais réellement, techniquement, des points précis... C'est le terrain qui nous le dit. C'est pas, on peut pas le savoir. Le terrain, c'est-à-dire il faut se déplacer. Il faut se déplacer. Faire un petit peu comme monsieur, c'est-à-dire sillonner les villes. Et c'est pour ça que, au fur et à mesure, on va apporter ce changement. Ce changement au niveau réglementaire, enfin des modifications. On n'est pas là. C'est une force de proposition aussi, Maison de l'Algérie. Je vous l'ai présenté dans le cadre de l'ANSEJ, binationaux. Demain, c'est les incubateurs. Et ainsi de suite. Il faut qu'on s'adapte. Et on va adapter. C'est-à-dire du côté algérien, du côté binationaux, et même français, puisque c'est la France et l'Algérie, qui ont convergé le même objectif. Comment on peut avoir en Algérie un terrain favorable qui correspond du côté algérien, parce qu'on n'oublie pas la spécificité de l'Algérie. L'Algérie, on ne vient pas s'installer comme ça. Il faut que quand même elle a sa culture, il y a beaucoup de choses que certains ne connaissent pas. Et c'est pour ça que le fait que dans le groupe, on a des Français, et des Français, je peux vous dire, avec une expérience, avec un CV assez international. Monsieur Jérôme Reboul, Monsieur Raison Dominique, c'est l'expertise, c'est le savoir-faire français. Donc, et eux, on leur dit... Vous venez, mais avec le cadre, dans le cadre algérien. On va recevoir bientôt le président François Hollande et on l'interpelle. Il faut qu'il vienne avec ces jeunes binationaux.
Il faut qu'il apporte cette expertise. Certes, l'Algérie, elle a besoin. Total, Renault, bienvenue. Mais ils ont leur cadre. Il est préparé. L'Algérie, elle a besoin, le local, la valorisation de l'activité économique. L'emploi, c'est local. C'est comme il a dit Ismaël, c'est la PME, PMI, c'est la valeur ajoutée locale qu'il faut. Rappelons aussi que les binationaux reviennent en Algérie. Il y a un retour. On disait au départ qu'on n'avait pas vraiment les données exactes, mais un retour pour travailler dans des entreprises internationales plutôt. Donc ce sont généralement des Algériens qui ont des profils à l'international, mais aussi pour créer des projets. Aujourd'hui, question simple qui peut peut-être paraître bête, pourquoi vouloir investir en Algérie et pas en France, à vous, vu que vous n'avez pas encore d'entreprise, contrairement à monsieur. Donc effectivement, avant de porter mon projet en Algérie, j'ai essayé effectivement en France. Et puis les conditions sont très défavorables. C'est-à-dire ? Voilà, c'est-à-dire que ce soit au niveau des taxes, que ce soit au niveau du personnel, puisque aujourd'hui on a peur d'embaucher. Voilà, pourquoi ? Parce que ça revient toujours aux taxes, ça revient aussi. Le marché économique est très morose. Donc on peut avoir une commande et se dire je vais pouvoir mettre du personnel, mais au bout de 6 mois on s'aperçoit que. Ça chute, on ne peut plus. Que la demande baisse et que l'emploi baisse, devient fragile. On a pu cette vision à 4-5 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise français va se demander s'il va finir l'année en commande. Et donc, c'est vrai qu'ensuite, pour venir à l'Algérie, effectivement, les dispositifs mis en place pour les binationaux, je ne vous le cache pas, on aura. Ça nulle part ailleurs. Les conditions... Parlant de dispositif en Sège. En Sège, voilà. Les conditions de retour sont très favorables, que ce soit économique ou social. Et donc, je pense que c'est surtout ça qui m'a fait décider de venir m'implanter en Algérie. Après, il y a toute la partie culture administrative. Allez-y. Moi, j'aimerais bien rebondir sur les deux. Ce qu'elle a développé tout à l'heure du guichet unique, c'est vrai que c'est une solution pour faciliter aux personnes qui ne connaissent pas l'environnement économique algérien de leur faciliter le processus de création. Je rappelle que lundi, l'Agence nationale de développement de l'investissement a récemment mis en place un guichet unique. Ça se fait également. Donc, disons qu'il y a un traitement qui est centralisé, mieux qu'avant en tout cas. Très bien. Sur le des dossiers. Et je citerai l'exemple à Oran d'une pépinière d'entreprise qui a été créée spécialement dans laquelle on trouve tous les dispositifs. Les dispositifs, on siège, CNAC, on dit. Y compris les impôts. En fait, il y a un guichet unique dans cette pépinière qui permet justement aux chefs d'entreprise ou aux porteurs de projets de se focaliser essentiellement sur leur activité et en ayant des bureaux, un cadre de travail agréable. Et ça se fait un exemple qui se fait à Oran par l'initiative d'une responsable de cette pépinière. Et je pense qu'il y a une prise de conscience, que ce soit pour les binationaux étrangers ou pour les Algériens, qui souhaitent développer leur activité, de leur faciliter aussi ce processus et de développer le tissu économique algérien. Alors, pour revenir au deuxième point, moi-même, j'ai réalisé un travail de recherche sur les membres de la diaspora d'affaires algérienne qui ont créé leur entreprise ou qui ont l'intention de créer. Effectivement, on a plusieurs motifs de retour. On a effectivement des motifs dus essentiellement aux difficultés, mais ce n'est pas l'ensemble de mon échantillon qui se retrouve dans cette situation. Je rappelle que vous avez un échantillon d'une centaine, 130. Voilà, donc j'ai fait deux enquêtes, une enquête par questionnaire qui a touché 138 personnes et une enquête par interview ou par entretien qui a touché 36 personnes. Donc ces personnes, notamment avec lesquelles j'ai eu une interview, ce sont des personnes qui, pour la plupart, ont une attache très très forte
avec l'Algérie. Avec le pays d'origine. Ouais, avec le pays d'origine, que ce soit pour les personnes nées en France ou qui sont parties, puisque j'ai aussi ceux qui sont partis après une expérience, après avoir fait leurs études universitaires, partis suivre un cursus universitaire à l'étranger, et après une expérience de quelques années en France, ont décidé de revenir avec un projet entrepreneurial. Mais quelle est justement la raison majeure qui pousse ces jeunes à revenir? Alors, la raison majeure, ce que je disais tout à l'heure, donc il y a une raison économique. Donc, depuis 2008, il y a la crise économique sévit en Europe et en Occident d'une manière générale, dans les pays industrialisés. Et qui touche de plein fouet notamment la population immigrée. Les statistiques en France, en France notamment, l'emploi immigré est le premier à avoir été touché. Ah oui, absolument. Donc il y a un taux de chômage qui est très très élevé, qui favorise pas forcément les enfants issus de l'immigration. Donc cette réalité pousserait ces personnes-là disposant d'idées de création ou de projets de revenir au pays pour trouver justement un climat favorable. Il faut le dire clairement que effectivement le marché algérien est un marché opportun ou quasiment vierge dans pas mal de secteurs. Bon, effectivement je rebondis là parce que ce qui est intéressant c'est que ces jeunes porteurs de projets qu'on a apportés et qui nous ont accompagnés au début ils savaient pas ils pensaient que pour investir en Algérie, c'est les gros. C'est-à-dire, il faut avoir une expérience, etc. Mais pas dans le cadre de la micro, c'est-à-dire avec un projet, parce que c'est des jeunes issus des quartiers sensibles. On n'a pas ciblé, voyez, on est parti vraiment le terrain pour faire émerger cette volonté de ces jeunes. Parce que l'Algérie, ils adorent l'Algérie, la preuve, il y a un match, l'équipe nationale, ça c'est de fait, ça c'est né. Mais venir investir ça, en Algérie, c'est une autre paire de manches. Il vient de connaître ça à travers Maison de l'Algérie, Fonds d'intelligence. Alors justement, plus concrètement, si des jeunes donc, français d'origine algérienne qui souhaiteraient donc, investir en Algérie, créer une petite affaire, un petit projet, parce que quand on dit investir, on imagine toujours que c'est très grand, mais ça peut être tout petit, ça grandit ensuite. Quelle est la marche à suivre et quels sont les faux pas à éviter? Donc la marche à suivre, si vous voulez, dans le cadre de Maison de l'Algérie, le programme, il est... Déjà, ne pas y aller seul. Moi, je rebondis un peu sur ce qu'il a dit, monsieur. Pourquoi les jeunes viennent investir ici? Pour mon cas, je pense que j'ai des amis algériens qui ont des sociétés aussi en France. Nous, dans notre... ça dépend des sociétés, parce que la crise, elle a touché un nombre de sociétés, mais elle a favorisé d'autres nombres de sociétés. Nous, en France, on fait de la prestation de services. Moi, tous les ans, j'augmente mon chiffre d'affaires de 60% en France. Mashallah. Aujourd'hui, cette année, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires de 70% en France. Pourquoi? Je fais de la prestation de services. Il n'y a plus de développement. J'embauche tous les ans plus de 15 personnes par an. J'ai commencé avec 2 personnes, aujourd'hui je me retrouve avec plus d'une centaine de personnes dans la société. C'est bien. C'est un secteur qui marche bien. Voilà, c'est un secteur qui marche bien. Le mois prochain, le 10, j'ai rendez-vous avec le président de la région de Languedoc-Roussillon pour parler développement. Parce qu'il n'y a plus de développement en France, il ne faut pas se cacher la face. On ne fait que de la prestation de services. Aujourd'hui, moi je suis entrepreneur, j'ai une âme d'entrepreneuriat, d'entreprise, je veux développer quelque chose. J'ai le savoir-faire, j'ai développé quelque chose en France, mais je la vends à l'étranger. Parce qu'en France, c'est saturé. Aujourd'hui, je viens en Algérie, j'ai cette chance-là d'avoir la nationalité algérienne aussi. Et avec cette nationalité-là, j'aimerais bien développer mon pays. Voilà, c'est tout simplement ça. Parce que la crise, elle a touché peut-être Et puis vous sentez que vous êtes dans un environnement d'affaires qui se sature en fait. On fait que de la prestation de service. Je fais que ça. En France, je fais que ça. Je fais la prestation. On fait presque tout ça. Parce que tout est privé en France. On n'embauche plus. Par exemple, nous, de domaine, je fais du nettoyage industriel professionnel. On cible tout ce qui est groupe. Parce que maintenant, le groupe, il ne veut plus embaucher quelqu'un.
pour faire le nettoyage ou pour faire l'espace vert ou la maintenance immobilière, parce qu'ils préfèrent une société privée. Au moins, ils travaillent 365 jours par an. Voilà. Donc, c'est la sous-traitance est un créneau qui marche. Il nous reste 2 minutes, mais pour avoir aussi l'opinion de vous, qui êtes aussi porteur de projet, les faux pas à éviter pour un Algérien, un Franco-Algérien qui souhaiterait, comme vous, lancer une affaire en Algérie ? C'est surtout de négliger principalement le marché algérien, puisque effectivement, je pense que c'est pas parce qu'on a une prestation qui marche en Algérie, qui va forcément marcher en Algérie. C'est deux cultures, deux coutumes différentes. Et effectivement, durant ce week-end, j'ai rencontré des jeunes qui, tout type de projet. Effectivement, on se dit, est-ce que réellement ça va marcher en Algérie, puisque ne serait-ce rien qu'en Europe, d'un pays à l'autre, on voit qu'il y a une différence. On voit qu'on va préférer un produit par rapport à un autre en sachant que c'est la même chose. Donc, algérien, Naïma Eratni, un conseil, des conseils, j'imagine, vous en avez plein, mais peut-être l'essentiel, se fédérer en groupe pour pouvoir se faire un réseau ici en Algérie, sachant que c'est pas... Voilà, c'est l'objectif de Maison de l'Algérie. Hein. Mm-hmm. C'est fédérer les acteurs et impulser une dynamique commune. Mm-hmm. On ne peut pas. Il est clair que, et aussi dans un cadre d'un programme, on est venu prise de contact à Miquel, on va revenir à Paris faire une formation, business plan, réglementation algérienne, préparation du dossier, on dit en sèche. Au profit d'eux ? Au profit des binationaux, puisque au départ c'était au profit des binationaux et au profit des jeunes locaux. Maintenant, dans le cas d'espèce de Boumerdès, on ne peut pas travailler. C'est pour ça que Maison de l'Algérie va travailler pour avoir son bureau de représentation en Algérie, pour qu'elle puisse travailler avec les jeunes. Et donc, vous allez donc vous-même faire le travail de sensibilisation au niveau des autorités locales. Voilà, des autorités du cas, c'est-à-dire de travailler la préparation de ces jeunes. Et octobre, une semaine entreprendre en Algérie, c'est-à-dire mise en place, c'est-à-dire installer ces jeunes. Donc si vous voulez, et avec une obligation de résultat, et aussi interpellé par rapport à cet incubateur, parce que l'incubateur d'entreprise, il est important, cet espace, pour réunir les deux et avoir ce cercle de consultants qui sera à l'intérieur pour suivre, préparer en amont et suivre en aval dans le cadre des développements. Il vous permettra donc aussi de vous retrouver par rapport au, de trouver des solutions par rapport aux contraintes du climat d'affaires. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça sera virtuel. On est en partenariat avec la plateforme COP-NTECH qui commencera, c'est-à-dire entre-temps qu'on travaille le terrain, on va continuer dans cette dynamique. Il y a eu des contacts qui se sont créés. Bon, je dis malheureusement, la jeunesse locale, ils n'étaient pas présents. Mais je pense qu'on ne peut pas tout avoir. L'objectif, c'est... Le premier week-end initiateur, les jeunes qui sont porteurs de projets. Des petits pas qui vous feront avancer, vous, Maison de l'Algérie. Il nous reste 1 minute, Aziz Nafa. Une lecture par rapport à justement cette réorientation de cette association qui pense finalement qu'il vaut mieux être sur place que de faire du phoning, comme on dit, et prendre des contacts à distance. En Algérie, ça ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que c'est ça comme ça que l'association devrait faire? En fait. Ouais, je pense qu'il est très, très, très important d'avoir un relais, voire des personnes d'accompagnement. Et c'est ce qui ressort aussi auprès des personnes que j'ai interviewées. Toutes, du moins, j'ai aussi des transnationaux. Hein. Donc on est dans un transnational, dans des investisseurs qui sont en France ou ailleurs, qui viennent investir en Algérie. Donc pour qu'il y ait facilité dans le processus entrepreneurial, il faut que ces personnes fassent confiance aussi aux structures d'accompagnement, puisqu'il y a des structures d'accompagnement.